Alors là, nous avons les petits dendrobiums. Ici, ils poussent comme du chien dent. Ils fleurissent tous en même temps. Certains l'appellent pigeon orchids. Et là, tu as un très joli croton derrière qui pousse et qui est absolument magnifique. Nous avons également des aloés au sol. Un très joli dendrobium ici qui a une très jolie floraison orange sur principe. Là, ta souche où tu as mis essentiellement que des dendrobiums. Et là, dans ton très joli jardin, tu as aussi la culture de plantes aromatiques, des menthes. Ça, c'est un citronnier. Mm-hmm. Bon, ça, c'est un olivier, mais bon, c'est juste super. Pour le décor. Et derrière, surprise des surprises, qu'est-ce que c'est? C'est de la vigne avec mes petites grappes de raisin. Derrière, donc, on a de la basilic. D'accord. Et là, on a au premier plan un très joli dendrobium qui est encore un petit, certainement d'origine César. Et tu voulais me dire que tu avais également quoi d'autre comme petite plante là-dedans? Ça on a c'est un mandarinier. Ah, il est mais beau. Par contre, le goût, il reste toujours acide. Je l'utilise beaucoup pour mes salades. Ah oui, d'accord. Pour les salades libanaises, ça fait un très bon goût. D'accord. Ça fait un petit goût parfumé, acide et en même temps parfumé. Parfait. Ici, j'ai du piment, j'ai de la basilic, j'ai de la coriandre, mais j'oublie sans cesse le nom de la famille De cette coriandre-là, avec des feuilles qui ressemblent à des feuilles de pissenlit. Mmh. Et elle est très très bonne, tu me l'as fait goûter. Mmh. Alors là, on a un très joli Cattleya, et c'est Cattleya Skinneri. J'ai encore un autre bouton qui se prépare. Hein. Ah oui, ils sont beaux, dis donc. Et là, on va avoir des Cattleya qui sont avec plein de jeunes pousses. Et dis-moi, là, celui-là est magnifique. Ça, c'est mon coup de cœur. Ah, celui-là. Et alors, tu cultives toujours là sur des graines? Voilà, pareil. Tu peux nous dire ce que c'est? Ouais. Et je mets parfois du charbon parce que trop de graines, parfois ça. Ça fait comme de la moisissure de. Et oui. Voilà, donc je fais un mélange de coco et des morceaux de charbon. Oui. Et voilà. Alors ça, c'est vraiment génial. Ça te permet en plus de drainer correctement. D'où viennent tes poteries? C'est quelqu'un qui les fait sur place ici. Ah ouais. Et donc ça, c'est vraiment très bien hein, parce que tout est bien mis en place. On voit même des étiquettes. Et là, il y a quelques pieds, notamment ceux que je t'ai ramenés de France.